petite vidéo test et tout du Blue Bomaya Max qui va devenir le bof bof. Mouais. Merde. C'est pas pour rien. Mais bon, voici un petit teasing, teaser ou teasouille, enfin tout ça quoi. Enfin, couscous boulette, enfin tout ce qui s'ensuit. Franchement, Bluebo, c'est vraiment dégueulasse. Enfin voilà, après c'est peut-être que mon modèle, mais franchement j'ai pas eu une belle expérience dessus. J'espère seulement et tout qu'ils auraient pu, enfin qu'ils aient pu, enfin qu'ils ont eu l'idée de faire quelque chose de moins dégueulasse, parce que franchement, ben voilà, comme certains aiment bien répéter des mots, moi je répète aussi des mots parce que c'est vraiment de la merde ce truc là. Enfin bon, après comme je dis, c'est le mien. Là je montre la boîte et tout avec un sponsoring pour sneakers. Si vous me regardez, sneakers, allez-y, faites-vous plaisir. Merci à Mars Company, non je déconne, enfin voilà, c'est pas un placement de produit, c'est juste pour le délire, et puis en même temps c'est pour rehausser un peu le niveau de la vidéo toute pour lingue et de cette chose merdique qui n'est que le Blue Bomb Maya merde. Voilà, faut être très clair là-dessus. Avec des belles promesses, on fait vraiment un téléphone de bouse. Voilà, entre le chargeur qui charge rien, ou même au contraire qui décharge le téléphone, j'ai jamais eu ça. Après, vous avez tout simplement le téléphone en lui-même et tout, qui a le port USB-C qui bouge comme une pute, donc à mon avis ça sent le dessoudage sur la carte mère, et à mon avis la piste elle est raide. Et pour rien arranger, des bulles à l'intérieur même et tout de la dalle, donc à mon avis c'est des bulles en usine, donc ça veut dire que ça fait vraiment des sortes de micro-bulles à la con. Enfin, pour l'instant je vous montre pas, je vous montre juste la boîte, c'est juste un petit teasing juste pour vous dire à quel point ça va être beau tout ça. C'est magique. Allez, à bientôt sur LuckyStar26 THT.